Otaku. Bonjour, je m'appelle Naya Granger, j'ai 15 ans et demi et je fais du jet depuis environ 3 ans maintenant. Donc c'est ma première année avec le team OHC Concept. Pour l'instant tout se passe super bien, donc c'est génial. À Sainte-Maxime, j'ai fait une 3e place, on espère faire mieux aujourd'hui et on verra pour les prochaines manches pour essayer de rester sur le podium. C'est vraiment un grand honneur d'avoir été choisie pour cette manche de pantamousson, donc j'espère ne pas les décevoir et faire tout mon possible, voilà. Bah nous voilà avec Naya Granger ici à Pont-à-Mousson. Donc Naya, tu as fait la première séance d'essai chrono, ta première mise à l'eau du week-end. Comment ça s'est passé et comment tu penses que le week-end va se passer? Bah, ça s'est très bien passé, le plan d'eau est agité, il y a beaucoup de courant, donc ça va être dur à gérer, mais bon, ça a l'air d'être un bon week-end. Ouais, ça change un petit peu des conditions que tu connais toi. C'est sûr, en Guadeloupe, l'eau est à 30 degrés, là, je sais pas du tout, mais c'est très froid, donc Et puis c'est des conditions pour toi, le courant comme ça que tu connais pas du tout, il va falloir s'habituer. Oui, mais ça va, il y aura du beau monde et on va bien se battre. Parfait, ce qui compte c'est de s'amuser et puis bah, on se revoit tout à l'heure pour la suite du week-end. D'accord. Bonjour à tous, je vous retrouve ici dans cette petite vidéo pour faire un petit point, un petit bilan de cette course de Pont-à-Mousson. On avait choisi comme jeune rookie Naya Granger. Ça fait partie des pilotes en qui on croit et en qui on donne beaucoup d'espoir. Malheureusement, on a rencontré des petits soucis de météo. Il n'était pas censé mettre en danger la course. Il est tombé beaucoup d'eau le samedi et on a dû annuler une partie des courses du samedi et toutes les courses du dimanche. Malgré tout, les juniors ont quand même pu réussir à faire les chronos et une manche. Naya a fini 3e des chronos et 3e de la première manche, malgré des petits soucis techniques qu'elle a eu pendant cette course. On est très très content en tout cas de l'avoir choisie, très fier. Et on espère qu'elle va progresser de plus en plus. En tout cas, on la suivra et on vous donnera des nouvelles toute la saison. Je vous donne rendez-vous à tous pour la prochaine course du championnat de France le 18 et 19 juin à Fréjus. J'en profite pour rappeler qu'on a beaucoup de partenaires qui ont souhaité nous suivre dans ce super projet. L'année prochaine, le rookie qui sera choisi en fin d'année aura le droit d'avoir un contrat Motul, Wax et Kenny. Je voudrais remercier tous les partenaires bien sûr qui nous suivent et tous les jeunes qui se donnent à fond, tous les parents, enfin voilà vraiment. Tout le monde, on a de la chance d'avoir ce qu'on a aujourd'hui en France. Il faut continuer dans cette lancée. En tout cas, je suis très fier de porter ce projet et on va l'emmener au bout. Merci encore à tous.